On va attacher notre fil comme ceci. Ensuite, on va faire des mailles serrées tout le long. On fait d'abord une maille coulée. Ensuite, on va faire des mailles serrées comme ceci. Voilà, on a fini. Maintenant, on va faire une maille coulée. Deux mailles en l'air. Une, deux. Toujours dans le même espace, on va faire une bride. Ensuite, on va faire deux brides dans chacun des espaces. Une, toujours dans le même espace. Deux. Une. Deux. Une. Deux. Une. Deux. Voilà, on va faire ça. Et là, on va faire une maille coulée, une maille en l'air, et on a terminé avec le fil ici. Et on va maintenant travailler avec celui-ci. On change aussi de crochet. On va faire trois mailles en l'air. Une. Deux. Et trois. Maintenant, on va faire une maille serrée dans la maille qui suit. Coupe celui-ci. Une, deux et trois. Une maille serrée toujours dans la même maille. Une, deux, trois. Une maille serrée dans la maille qui suit. Une, deux, trois. Une maille serrée toujours dans la même maille. Une, deux, trois. Une maille serrée dans la maille qui suit. Une, deux, trois. Une maille serrée dans la même maille. Voilà. On va travailler comme ça tout le long. On se retrouve juste après la bataille. Une, deux, trois. Une maille serrée.
Une, deux, trois. Une maille serrée. Puis on fait une maille coulée. Une maille en l'air et on a terminé. Voilà. Notre scrunchie est terminée. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un pouce en l'air, à vous abonner, à partager et à me laisser vos impressions dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. À bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!